quelques minutes et nous commencerons. Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Dans ce cours, nous continuerons la partie pratique de Microsoft Teams. Tout cela avec Dr. Soufiane Mahaldi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Soufiane. Docteur Soufiane, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre cours de la formation d'aujourd'hui. Ok, merci, Madak. Ok, soyez les bienvenus tous pour cette séance. On va continuer, comme j'ai dit, sur la partie Teams, bien sûr. Donc, s'il vous plaît, de vérifier vos accès, si les accès sont tous valides ou non. Donc, on va vérifier les accès Teams au début, au démarrage de la séance. Donc, veuillez, s'il vous plaît, à chacun d'entre vous, vérifier les accès de Microsoft Teams à partir des emails que Dr. Soufiane vous les a envoyés. Je partage. Ok, donc sur Teams, on a, outre que le service ou l'application Teams ou le Teams en web, on a ce qu'on appelle OneDrive en fait. Donc OneDrive, c'est une application qu'on peut c'est-à-dire acheter dans le pack Office 365 et qu'on peut les utiliser bien sûr pour sauvegarder des fichiers personnels. Donc, je commence avec OneDrive, bien sûr, et l'utilisation de ce service. Donc, il faut taper le site OneDrive.com, en fait, live.com. Pour les accès à OneDrive, il faut toujours utiliser soit Office, soit ce lien-là. Fais un sign-in. Et après, je me demande toujours les accès qu'on a déjà créés. Canada.
Et après, une fois vous êtes connecté, vous avez les fichiers, My Files, et je peux voir tous les fichiers. Récemment, il n'y a rien. Il dit c'est empty, c'est vide. Le dossier est vide. Mais je peux créer une arborescence ici, de dossier, par exemple. Je vais créer, par exemple, folder dossier. Hein? Je peux créer dossier. Voilà, avec une icône, deuxième icône, dossier 2, etc. Vous avez pas mal de dossiers. Pour chaque dossier, je peux bien sûr ajouter soit des fichiers ou des documents. Je peux créer un document Word, par exemple. CV, par exemple. Elle est automatiquement sauvegardée. Okay. Voilà. Et je peux aussi le renommer. Avec ces trois points, je peux renommer. Je peux mettre CV et autres. Hein. Bien sûr, je peux faire du upload, file upload ou folder upload. Par exemple, si je veux faire le upload de picture, de photos. Il est en cours, hein. Voilà, picture. Et je peux vérifier qu'est-ce qu'on a. Je peux voir des contrôles, caméra, des save picture. Voilà. Ainsi de suite. Voilà, cette partie. Je peux même le supprimer. Je peux faire beaucoup de choses, en fait. Okay. Mais si je veux partager, par exemple, ces fichiers dans un canal Teams, je peux copier ici le lien, je peux sélectionner. Voilà. Copier le lien. Bien sûr, je peux ajouter des settings et je peux aller sur Teams. Ça lag un peu. Ça lag un peu. Je pense qu'il y a quelques problèmes de connexion.
J'ai un problème sur Teams. C'est pas, mais de toute façon, je peux, par exemple, mettre le fichier ici. Hein, c'est très simple. Je peux le mettre ici et je peux le télécharger. Voilà. Mais de toute façon, lorsque je me connecte, je peux voir est-ce qu'on a accès à ce fichier ou non. Donc voilà, vous avez accès à au CV ou aux images de l'utilisateur sans aucun problème. Voilà. OK, donc ça va, le démo, des questions? Sinon, bon, il y a deux personnes seulement dans la vie. Essayez de se connecter, s'il vous plaît. Essayez de se connecter, Mohamed Ayman, avec vos comptes, OneDrive, créer des dossiers et des fichiers et essayez de partager avec moi les liens. Je peux vous donner 15 minutes pour faire ces manifs. Voilà. 15 minutes? Oui, parce que qu'ils n'arrivent pas à nous connecter, je ne sais pas. Il y a des problèmes de connexion chez les candidats. D'accord, donc veuillez essayer la connexion. Vous avez une durée de 15 minutes. J'essaie de voir. C'est quoi le problème, Mohamed? Là-bas, une capture d'écran, s'il vous plaît. Mohamed, si vous pouvez envoyer une capture d'écran de ce qui se passe avec vous, s'il vous plaît. Donc, vous avez 15 minutes, chers participants, pour vous inscrire au Teams et vous connecter. Et Mohamed, veuillez s'il vous plaît envoyer une capture d'écran. Donc, docteur, je pense qu'il a envoyé une capture d'écran et qu'il a vraiment un problème de connexion. Mmh. Ouais, je vois. J'essaie de résoudre le problème. Il faut du temps.
C'est ce compte. Voilà le mot de passe. C'est ce compte, s'il vous plaît. Envoyé par le docteur Soufiane. Oui, ils sont en train de vérifier. Hein. Donc, cher Mohamed, veuillez s'il vous plaît essayer le compte envoyé par Dr Soupien et informez-nous s'il fonctionne. Merci. Donc, avez-vous, chers participants, essayé le nouveau compte? Sinon, docteur, nous allons vous demander de continuer car je pense qu'ils sont un peu au sommeil à cause de la chaleur ou bien crevés. Pardonnez-moi même. Hein? Ok. Voilà, donc pour se connecter à Teams, donc soit comme j'ai dit à partir, vous avez le dossier OneDrive, sinon vous avez aussi dans Office 365, vous avez quelque part ici l'accès OneDrive. Donc on a des fichiers, des dossiers qui sont déjà effacés et supprimés. Donc, vous avez des apps, des dossiers 1, des dossiers 2. Si par exemple, par hasard, je peux supprimer ce dossier-là. Une fois, ce qu'il dit. Ah, il dit qu'il y a un item ouvert. Donc, je vais effacer, par exemple, le CV.
Je vais faire un delete. Ah, parce qu'elle est ouverte, hein, quelque part, il dit. Je vais voir d'autres. Je vais essayer de supprimer celui-là. Et je vais un delete. Voilà. Elle a bien été bien supprimée. Mais côté. On a un courbet ici. Je peux récupérer le fichier. Voilà. Il est là. Donc, j'ai tout à l'heure supprimé celui-là et maintenant celui-ci. Je vais vous donner la date de suppression. Qui a fait la suppression, la création et l'emplacement d'origine dans, bien sûr, dans OneDrive. Mais si vous voulez récupérer les fichiers, c'est simple. Il faut cliquer sur le fichier qui est en question. On va faire Restore. Le Restore, comme vous voyez ici, il va faire la restauration du fichier dans l'emplacement d'origine. Donc, si je reviens vers My Files, je vais trouver. Voilà, dossier 1. Pictures. Et là, on dit pas encore. Donc, je vais voir le cycle bin une autre fois. Et je fais un autre restore. My files. Container 1. Voilà, desktop, il est là. Donc, on a bien récupéré le fichier qui est déjà supprimé dans OneDrive. Mais de toute façon, vous pouvez bien sûr sélectionner le fichier et faire toutes ces tâches administratives. C'est-à-dire, je peux le partager, par exemple, avec quelqu'un. Je fais un share. Par exemple, par email, je cherche un des utilisateurs. Un des utilisateurs qui s'appelle, par exemple, Alain. Et donc, je cherche Alain Jung. Comme ça, je peux partager un fichier avec l'utilisateur qui convient. Et voilà, par exemple, là, le photo. Je peux même copier les liens, je peux même ajouter, par exemple, ici, des paramétrages sur les personnes qui ont des accès. Par exemple, là, j'ai dit anyone. Donc là, je n'ai pas besoin de faire un sign-in pour les utilisateurs. Donc, je dois recevoir un email et je peux accéder au fichier. Mais si vous voulez raffiner seulement les utilisateurs de Contoso ou de l'organisation, ou même des utilisateurs avec des accès, tu peux raffiner ça. Donc, par exemple, ici, je peux copier le lien, je vais l'envoyer, je peux copier le lien, j'ouvre ça dans un navigateur privé, et je peux voir, est-ce que, voilà, est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'il dit, voilà, il y a le fichier, voilà, le desktop.in, c'est ça l'URL, je peux même le télécharger. Voilà. Voilà. Et bien sûr, une fois de conserver, et je peux ouvrir le fichier qui s'appelle desktop.ini. Voilà, c'est un fichier simple. Je peux aussi envoyer à un destinataire ou des destinataires par email comme ça. Donc, lorsque j'ouvre l'email
de Alain Jung. Je dois trouver cette image-là ou cette photo. Après, donc, on a vu le. Je peux partager. Couper le lien. Je peux gérer les accès aussi. Par exemple, j'ai dit voilà. Les utilisateurs d'un groupe bien déterminé ou des personnes bien déterminées ont déjà un accès, par exemple, bien déterminé. Par exemple, il dit anyone with this link can edit, c'est-à-dire toute personne qui a ce lien, il peut modifier ou il y a des accès directs. Donc là, je veux dire, je peux définir des périodes de connexion, par exemple, une durée d'un mois, une semaine, etc. C'est just in time, c'est juste à temps, c'est-à-dire l'utilisateur, au-delà de cette date, c'est presque interdit de se connecter et voir le contenu du fichier. Donc là, nous sommes en train de définir la date. Et on dit, on va aller partager avec le lien du monde. Voilà. Sinon, après, une fois partagé, suppression, on a déjà vu. Télécharger, tu peux télécharger sur votre machine, renommer. C'est-à-dire changer le nom du fichier, move to, c'est-à-dire déplacer. Donc, par exemple, je peux le déplacer d'un dossier à un autre. Donc là, je vais déplacer, par exemple, les dons du C1. Je vais le déplacer dans, par exemple, le C2. Et je fais mouvir. Ah, OK, donc ce fichier, voilà, il est vide maintenant. Donc, elle a été déplacée dans le dossier 2. Et voilà. Voilà, le dossier est bien téléchargé sur sur ce dossier. De toute façon, je peux aussi ajouter, je peux le copier, je peux vérifier la version de l'historique et je peux voir beaucoup de choses, des informations sur les accès. Les activités, genre, qui fait quoi sur ces fichiers-là. Et je peux trouver aussi avec qui j'ai partagé. Par exemple, là, je vais dire, voilà, je vais partager ce dossier-là avec, voilà, avec mon email Gmail, par exemple. Je rajoute mon Gmail. Et là, j'ai besoin de l'aérobas. Et j'envoie ça. Mais bien sûr, je peux créer un message. Voilà, une invitation a été envoyée à ce fichier-là. Je peux le voir ici. Mais voilà, il dit il y a une invitation que je peux le voir quelque part. Mais de toute façon, toutes ces informations-là, voilà, je dois taper mon courrier.
Voilà, il dit l'accès, il est refusé. Parce que c'est. Il faut un compte professionnel pour que ce concours puisse se connecter. Mais de toute façon, si je reviens sur le fichier, je veux partager le dossier, par exemple, tout le dossier avec un canal de chat, par exemple. C'est ça la relation avec Teams. C'est que je dois se connecter sur un canal de votre choix, bien sûr. Et dans le canal général, je veux lancer une nouvelle conversation. Voilà le dossier. Demandez. Voilà, comme ça, j'ai bien partagé le fichier et je peux l'ouvrir, par exemple, à notre administrateur ou utilisateur dans le canal Teams. Et voilà, je me connecte et ça marche bien. Et je peux voir dans le fichier partagé. Voilà. Il y a By You, c'est-à-dire c'est quoi les fichiers partagés par moi-même. Donc, j'ai partagé un fichier, un dossier. Mais il n'y a aucun côté, moi, est-ce que j'ai reçu des fichiers partagés? Non, ils disent non. Voilà. Est-ce que c'est clair les démos, s'il vous plaît, ou non? Donc maintenant, on va faire du pratique, hein, parce que la science, c'est une formation, ce n'est pas un cours. Donc je vous invite tous à se connecter avec les accès que je viens de partager. Et il faut faire du pratique. Ce que je viens de faire, il faut le refaire maintenant. Je peux vous assister, bien sûr, durant les modifications et le travail. Donc, veuillez s'il vous plaît participer et pratiquer l'exercice demandé de Dr. Soufiane. À partir des accès envoyés via le chat. Allez, 10 minutes et nous voulons que tout le monde y participe. Donc, Mohamed s'est connecté au compte Microsoft, mais pas encore sur Teams. Donc, veuillez, s'il vous plaît, vous accéder à Teams pour que vous puissiez pratiquer l'exercice demandé. Allez, tout le monde. Ah, ben sinon, on doit vraiment appliquer les instructions de la doyenne. Ne pas donner les certificats juste aux participants qui participent et qui pratiquent avec nous, hein. Allez, tout le monde. 5 minutes.
Donc, on va prendre par hasard. Hein. Alors, qui nous allons prendre? Iman Hassani. Allez. On laisse le docteur partager l'écran? Ah oui, oui, oui. Tu peux partager un par un. OK. On va prendre par hasard, car je crois que personne ne participe aujourd'hui. Allez. Allez, veuillez partager l'écran et nous montrer ce que vous avez appliqué. Imam. Alors, Mohamed veut tenter sa chance. OK. Puisque Imam Hassani ne fait pas l'exercice immédiatement, il ne répond pas. Mohamed Abdallah, à vous de jouer. Allez, vous avez l'accès. Allez, Mohamed, vous pouvez partager l'écran et nous montrer comment vous pratiquez. Allez. Alors, docteur, il fait toutes les étapes d'une manière correcte? Ouais, elle est en cours. Hein. Oh, tu peux nommer ce que vous voulez. Hein. C'est mon docteur? Oui, il est en train de faire. Hein. D'accord, d'accord. Alors, je vous laisse.
peux juste taper Ctrl S pour je sauvegarde automatique, Mohamed. Ok, tu peux partager ça par Teams. Voilà. Eh bien. C'est bien. C'est clair, Mohamed, les autres. OK. Vous voulez une petite pause? Super, super, super. Donc, on va passer. Donc, Mohamed, merci pour votre participation. Excusez-moi. Ahmada Hashim, allez, vous allez essayer. Allez, Ahmada, vous avez accès au partage d'écran. Veuillez partager la partie pratique. Bah, sinon, on va donner un très grand bravo juste à Mohamed Abdallah, car c'est le seul qui a participé aujourd'hui. N'est-ce pas, docteur? Oui, je fais le suivi, oui. Allez, Amada. Ahmada. Imam. Iman. Allez, tous les deux. L'un d'entre vous doit partager son écran. Hein. Vous avez accès maintenant. Donc, je pense que nous les avons perdus ou qu'ils ont une très mauvaise connexion. Donc, vous pouvez continuer le reste du cours d'aujourd'hui, docteur. C'est possible. On va les donner une pause. Petite Petite pause. pause. Ouais. OK, pause de 5 minutes ou... Je pense qu'on va faire juste. On va lui donner 10 minutes, s'il vous plaît. 10 minutes? D'accord. Ouais. OK, 10 minutes et nous reviendrons. Ouais.
Allez tout le monde, 6 minutes et nous reviendrons. Bien sûr, pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas pratiqué l'exercice, veuillez s'il vous plaît pratiquer et utiliser les comptes envoyés par Dr Soufiane et pratiquer l'exercice. Quatre minutes et nous reviendrons. Donc, veuillez, s'il vous plaît, pratiquer les exercices demandés. Allez, quelques minutes et nous reviendrons. Pour ceux qui n'ont pas encore pratiqué ce que Dr Soufiane vient de vous demander, veuillez la pratiquer, utilisez les comptes envoyés via le chat. Accédez au Teams et faites les exercices demandés. Allez, 1 minute seulement. 1 minute et nous reviendrons.
Plus que quelques secondes et nous reviendrons. Pratiquez bien les exercices demandés. Allez, tout le monde. Vous êtes prêts? OK, bon retour. On va continuer sur les opérations de Teams, de toute façon. Prends la main. Et je peux aller aussi sur Teams. Donc, bon, là, il dit qu'il a besoin d'une nouvelle version. Je m'en fiche. Et si vous êtes sur un canal, vous pouvez bien sûr voir les fichiers qui sont tous partagés dans ce canal. Donc, il y a le big fichier, files. Et là, tu dois trouver. Mais je peux vérifier ici. Bon, sur notre canal Teams, Jimmy Dushan, est-ce qu'on a quelque chose comme ça ou non? Mais le problème, ils n'ont pas créé des canaux. Vous voyez ici? Donc là, il y a seulement les canaux pour l'administration, je pense. Il y a le support technique, le test, le groupe. Mais si je dois joindre une équipe, je peux faire rejoindre l'équipe comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas accepter. Donc là, c'est ça l'idée. Mais si je veux, ce que je peux créer, par exemple, une équipe ici, je peux le créer facilement depuis un modèle. De classe, je vais dire voilà par exemple formation Teams et là je peux créer il est en cours hein. Et on court, il va prendre du temps, je pense. On laisse ça. Quoi d'autre? Je peux avoir aussi, je peux ajouter des applications ici. Notes. Et il y a beaucoup d'applications que je peux les ajouter, par exemple. Si vous souhaitez ajouter, par exemple, le site web de l'entreprise, je peux ajouter website. Là, le website, je peux nommer, par exemple, je cherche quelque part le site de Mitotion. Et donc, je ne sais pas, faut trouver le bon site. Il faut googler, en fait, Mitotion. Voilà, il est là. Ok, c'est pas ça, non, c'est pas ça le bon site. Je dois ajouter University, je pense, ça sert à rien. Voilà, point, oui. Voilà le site web. Et là, je vais écrire, je vais taper l'URL et je vais postuler ça dans tout le canal et je peux faire save. De toute façon, le groupe qu'on a créé, je peux ajouter le groupe par email, sinon je peux ignorer. Et je peux ajouter, gérer le canal. Tout le monde il peut se connecter. Et pour se connecter, c'est très simple.
Voilà, je peux vous partager le lien de cette équipe. Et comme ça, vous pouvez les joindre. Essayez de joindre, s'il vous plaît. C'est une équipe sur Medusa, en fait. C'est plus simple que celle-là. Donc, chers participants, essayez de joindre l'équipe créée par Dr. Soufiane en utilisant les accès demandés. Ou bien, ce n'est pas la peine, docteur. De préférence, oui, c'est juste, je pense pour tester, ça serait mieux. Donc là, je peux voir, par exemple, juste pour vous montrer, dans l'équipe formation Teams, j'ai des fichiers, mais là, j'ai pas de fichier actuellement. Si je veux, par exemple, partager quelque chose, un fichier, donc là, je peux partager des liens. Mais des fichiers, il faut justement insérer un tableau, paragraphe, tout ça c'est du paragraphe aussi. Mais pour les fichiers, il faut aller sur fichier et là tu peux joindre et voilà par exemple. Je vais charger les fichiers. Par exemple, je sais pas. Donc, je vais voir un document simple dans mon bureau. Cherche training. Cherche un document simple, par exemple, sur formation ISO, cet exercice, par exemple. Voilà. Donc, j'ai chargé un fichier, je peux le partager, le copier. Voilà, c'est très simple. On peut le copier, le partager avec tous les membres. Mais aussi, vous pouvez ajouter un onglet, comme j'ai dit, par exemple, website. Mes deux chaînes. Voilà. Ah non, c'est pas ça. C'est ce site. C'est ce site. Je reviens. Voilà. Et j'envoie. Et vous voyez, par exemple, si je suis sur le canal où nous sommes tous sur le canal, je peux cliquer seulement et je peux visiter. Directement le site de Weibotion, je peux voir les actualités facilement. À partir, c'est comme étant un raccourci. Hein. J'ai ajouté le site Weibotion comme étant un raccourci dans Teams. Je peux voir les nouveautés du site, peu importe. Là, c'est des nouveautés. Il y a les partenariats, etc. Si vous êtes intéressé, bien sûr. Hein. Donc là, c'est. Mais vous pouvez ajouter d'autres sites. Vous pouvez ajouter beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez naviguer, vous pouvez avoir d'autres spécialités ou des activités sur les recherches, le développement, etc. Voilà, c'est très important, mais on peut aussi ajouter, par exemple, il y a beaucoup en fait. Par exemple, les gens qui travaillent dans un secteur qu'on appelle DevOps, par exemple, DevOps, je peux faire une intégration. Vous voyez ici, c'est-à-dire une entreprise qui travaille avec des services sur Azure, qui s'appelle DevOps dans certains cas. Et là, je peux ajouter le tenant DevOps ici. Donc là, je peux surveiller, planifier et collaborer. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Voilà, il est 5 étoiles. Et je peux l'ajouter facilement, hein. C'est très simple de l'intégrer. Mais là, il demande une organisation qu'on doit les créer dans le site web ou le service DevOps de Microsoft Azure. Et comme ça, lorsqu'on va travailler sur Azure DevOps,
Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Donc, on peut travailler de façon à l'aise dans notre environnement sans aucun problème. Voilà. Bon, là, il dit, you don't have access, c'est vrai, parce qu'il faut créer de l'autre part sur Azure DevOps le compte. Mais pour moi, je n'ai pas de compte actuellement. Mais juste, je fais la démonstration de l'utilité de ces applications qu'on peut l'intégrer avec Teams. Par exemple, si vous avez, par exemple, un calendrier de canal, très important le calendrier, comme ça, je peux ajouter un calendrier qu'on a déjà vu l'autre fois. Hein. Et là, je peux voir automatiquement à partir de mon canal. Donc, je peux voir qu'est-ce que les réunions, par exemple, si je planifie, par exemple, une nouvelle réunion qu'on a déjà, par exemple, entretien académique, par exemple, et j'ai dit dans un canal qui s'appelle. Il y a problème ou comment? Équipe, toutes les équipes, formation, ah, classe. Donc, classe Teams. Ah, c'est dans classe. Non. En fait, je cherche. Est-ce qu'on a quelque chose? Voilà. Je dois planifier. Voilà. Planifier une réunion. Voilà. Dans formation, je dis, par exemple, un webinaire avec l'administration, avec Melek, par exemple. J'ai dit n'importe quoi. Donc, je crée un webinaire avec Malek, par exemple, la semaine de 921, demain, par exemple, demain, 15h30 à 16h, voilà, pour 30 minutes, pour discuter, par exemple, des soucis ou des questions bien déterminées pour les étudiants. Je vais ajouter ici les utilisateurs, etc. Voilà. Voilà. Et donc là, dans le channel, donc il faut faire des mises à jour, je pense. Il y a des updates. C'est le 22 juillet. Donc c'est demain, normalement. Semaine de travail. Voilà, vous voyez ici. Donc là, lorsque. C'est-à-dire, si nous sommes une équipe, et même vous, hein, donc si vous êtes membre de cette équipe, vous pouvez aller directement sur Channel Calendar et là, vous allez trouver voilà, que demain, début de semaine, vous avez une réunion à 15h30 avec Malek et vous pouvez joindre automatiquement la réunion à partir de ce bouton ou ce bouton, ce lien. Et moi, c'est l'organisateur. Voilà. Et vous pouvez discuter avec les différents participants. Voilà. Donc, comme ça, c'est un outil, Teams, c'est un outil puissant. Comme j'ai dit, pour faire beaucoup de choses, il y a aussi des paramètres globaux qu'on peut, bien sûr, les configurer. Vous avez, par exemple, si vous voulez changer le layout, donc, comme ça. Vous pouvez bien sûr voir le compte, par exemple, les organisations qu'on a ajoutées. Donc, je suis là. Mon compte Sofiane Mhatli à Tumin. Je peux ajouter, par exemple, les rapports de confidentialité. Par exemple, là, je dis, je vais bloquer les appels sans identification de l'appelant. Voilà. C'est-à-dire un appel non identifié, je vais le bloquer. Désactiver l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé pour des raisons de sécurité. Si mon écran est verrouillé, je ne peux pas lancer les caméras ou
l'appareil photo. Je peux aussi, oh, voilà, c'est un appel d'importance ou configuration chiffrée, c'est-à-dire je peux chiffrer ça. Mais là, je pense à partir de Teams administrateur que vous pouvez le faire. C'est-à-dire, vous pouvez faire, par exemple, entre nous, il peut appeler Malek. Bien sûr, avec l'activité ou la configuration du chiffrement. C'est-à-dire, s'il y aura un utilisateur au milieu qui va faire, par exemple, le sniffing du flux entre moi et Malek ou un autre cas, utilisateur. Donc, le contenu, ça sera chiffré. C'est-à-dire, on ne peut pas le décortiquer, on ne peut pas entendre ce qu'on est en train de faire. Voilà. Il y a d'autres, bien sûr, les notifications. Je peux gérer les notifications par défaut. Par exemple, j'envoie des appels, des recommandations, des pings. Voilà. Surtout, si quelqu'un il va lire le son, est-ce que tu vas recevoir des messages? L'apparence, vous pouvez le changer, c'est juste affichage ici. Les fichiers liens, demander où enregistrer, c'est-à-dire est-ce que tu vas enregistrer par défaut dans le lien, est-ce que vous téléchargez le fichier à partir de Teams, il est sauvegardé où? Est-ce qu'il est dans le download ou est-ce que par exemple chaque fois, il te dit, il va demander où on va enregistrer le fichier, télécharger ou autre. Donc là, vous savez, vous pouvez modifier, même modifier l'URL, hein, c'est à vous de choisir. Quoi d'autre? Donc les liens, le navigateur par défaut, c'est le Edge. Je peux ajouter des autorisations pour des applications qu'on a déjà vues. Mais réellement, on ne peut pas avoir toutes les applications, c'est juste quelques applications de base. Mais il y a beaucoup et plein d'applications qu'on peut les ajouter ou qu'on peut l'intégrer avec Teams et bénéfique. Je peux faire aussi des appels, mais là, ça dépend tant que je veux avoir une licence. C'est-à-dire, avec Teams, je peux faire, bien sûr, si vous êtes intéressé, je peux vous faire une petite démonstration la prochaine fois. C'est-à-dire, on peut utiliser Teams téléphonique, c'est-à-dire faire des appels téléphoniques entre les utilisateurs. Si vous avez, par exemple, un smartphone ou un poste de travail, donc tu peux faire des appels téléphoniques à travers Teams. C'est intéressant. C'est-à-dire, Teams, ici, on peut le considérer comme un PBX, un central téléphonique. C'est possible aussi. Bien sûr, il faut avoir des licences spécifiques pour arriver à travailler avec Teams. Sinon, ça dépend. Donc, même la licence, ça dépend de l'emplacement géographique. Qu'est-ce que dans votre pays, surtout dans la production, si on parle de la production, ça c'est important. Voilà. Vous pouvez activer la transcription. C'est-à-dire, lorsque je vais parler, essentiellement, si je fais de l'enregistrement vidéo, c'est que j'ai besoin d'un enregistrement de la séance Teams, par exemple, ici. Donc, actuellement, voilà, la séance, elle est en cours d'enregistrement. Mais lorsque on termine cette réunion, il y aura comme étant un vid une séquence vidéo d'une heure ou d'une heure trente. Et là, on peut trouver un sous-titrage de la réunion. Voilà. Donc, il y aura des appareils aussi. Je peux gérer les appareils avec lesquels il y aura Teams. Voilà, par exemple. Je peux ajouter des écrans verts. Voilà, supprimer les bruits. Je peux faire passer un appel de texte. Je fais juste un test. Ok, voilà. Je vais faire de la reconnaissance vocale. Mais il dit la reconnaissance vocale n'est pas
disponible dans notre région. Voilà. Voilà, grosso modo, le module Teams. Voilà ce que je viens de t'expliquer sur trois séances. C'est un Teams pour les utilisateurs et c'est pas un Teams pour les administrateurs, hein. Bien sûr, si vous êtes intéressé pour Teams pour les administrateurs, il y aura un autre cours. Qui est pour les gens qui font de admin système, admin des applications Office 365, etc. Mais un peu avancé, c'est-à-dire comment créer les utilisateurs, les groupes. Il y a plus de contrôle que l'utilisation au niveau utilisateur. Ça s'avère un peu simple et voir comment utiliser l'application. Voilà, grosso modo, l'objet de ce cours. Voilà, la parole à toi, Malek, si vous avez ou les candidats stagiaires, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire dans la messagerie. Voilà, merci. Des questions, s'il vous plaît. Comment accéder à Teams? Bon, j'ai déjà, on a partagé un tenant. J'ai déjà partagé un tenant. Ah, madame, on a déjà partagé un tenant pour accéder. Hein. Voilà, il est là. Voilà. 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 Je partage de nouveau. Et pour le site, il s'appelle office.com en fait. Voilà. Malek, t'es là? Voilà. Et après, une fois ouvert, tu cherches l'application Teams, c'est tout. Hein. Et tu peux faire un login. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? C'est bon pour le reste?
OK, donc je vous remercie et à la prochaine. Merci beaucoup. Donc, si vous n'avez pas de questions, chers participants, nous nous verrons inchallah la semaine prochaine à 15 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous et nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Merci. À la prochaine.